dans la rue, c'est pas avoir de thunes. Squatter, à pas avoir de thunes, avoir rien. Pour l'instant, je vis le jour le jour. Je fais ce qui me plaît, quoi. Je pense pas à l'avenir. Et alors là, vous nous arrêtez pourquoi? Quel motif? La police rachète de temps en temps. Ça, ça, t'as pas le droit de ça. Là, tu te fais arrêter par la police. Parce que la police. Bon, tu sais qu'il va falloir. Ils sont un peu cons, ça, que t'as dit. Là, je prends une bouillère. Eh ben, bouffe du pâte, ça, c'est pizza. J'ai faim. Mais ça bouffe, c'est pas bien. Ah. Balance ça, putain, balance tout ça. T'aurais fait une petite pièce, s'il vous plaît, pour les cracheurs de feu. Salut, jeune homme, excusez-moi, vous avez peut-être une petite pièce de monnaie par hasard pour dépanner 8 personnes en train de faire la manche. Non? Non? Ah. Bonjour, madame, on n'aurait pas une petite pièce de monnaie à dépanner, s'il vous plaît, c'est pour ces jeunes artistes qui sont même pas en train de cracher du feu, mais tout bientôt, non? Bonjour, vous n'aurez pas par hasard une petite pièce de monnaie à dépanner pour les cracheurs du feu? Mais ils crachent pas du feu en ce moment. Eh, vous voulez pas cracher du feu, s'il vous plaît, bordel? Beckham. Beckham is back. Pourquoi le plus grillé? Tu crois, c'est parce qu'il y a pas de beurre, il y a pas de huile. Ah ouais, ça doit être ça. Ouais, non, mais c'est assez gras, tu sais, je veux dire, Beckham, c'est plein de gras. Ouais, ouais, donc, c'est gras, mais je te dis que... Donc c'est plein de gueule. Pour moi, ça? Ouais. Oh... Ah, j'ai même pas un point comme ça. Ouais, c'est... Sale. Ouais, bon, tout le monde. Moi, je suis parti de chez mes parents, j'avais 15 ans. Ils ont divorcé, mes parents, et puis mon père, il m'a dit, c'est bon, tu peux dégager, quoi. J'en ai marre, tu fous trop le bordel, tu viens tout le temps avec tes potes, tu te fonds trop la gueule, moi, j'arrive pas à dormir, tu mets la musique trop fort, enfin, j'en ai plein le cul, quoi. Donc, tu peux dégager. Et puis, ben, je suis venu ouvrir ici avec Christophe. On a ouvert les deux ici, et puis Mehdi aussi. On a ouvert là, puis depuis, ça fait un an qu'on y est, puis on essaie de survivre, puis si on se fait foutre dehors de là, ben, on ira trouver autre chose. On ouvrira notre maison. Je sais pas, on va se démerder. En fait, c'est ça. Et puis elle, maintenant, ben, ça fait... je sais pas, 6 mois qu'elle vient dormir là toutes les nuits. Et puis... on essaie de s'arranger le mieux possible avec ses parents, parce qu'elle en a un petit peu marre aussi, elle est bientôt majeure. On a plein le cul de ses parents, puis... Non, pas de mes parents, mais c'est que j'apprécie pas que mon père... Enfin, il comprend pas que je grandis, quoi, en fait. Il n'arrive pas à comprendre ça. Ma mère, c'est bon, tu sais. Ma mère, c'est juste que je lui manque, mais à part ça, elle m'emmerde pas, quoi. De vivre en squat, il y a un gros avantage, c'est que tu vis avec tes copains, déjà. Le désavantage, c'est que t'es pas chez toi. Ben, tu bouges tout le temps, t'es pas forcément toujours au même endroit. Tu te déplaces, ça ferme, ça ouvre. T'es toujours obligé d'aller quelque part et puis t'as toujours quelqu'un qui t'aime pas dans la maison où t'habites. Là, c'est petit, c'est cool. On est tous des copains, c'est pas pareil. Mais dès que tu vas dans des plus grands squats, y a toujours des gens, des bastons, des gens qui s'aiment pas et tout. Non, mais tu vas aller. Tu vas aller te baigner avec tout ça? Ah, mais je vais pas mouiller. Non, c'est chaud. Tu vas nager avec un bras. Je pas au bord du lac? S'il vous plaît. Dans un petit moment. Bouge ton cul, dame. Normalement, c'est toujours toi qui gueule pour être baigné. Je veux pas ça gueuler. C'est moi qui te demande de venir. Ouais, pour une fois, j'ai pas trop envie. Viens. Mais dans un petit moment, je t'ai dit. Ah, putain, je l'ai. Allez, viens au bord du lac. Bah, viens aussi, dame. Ouais, je t'ai dit que j'arrive dans un petit moment.
Elle a un peu fait la boutique. C'est ça, un problème d'obsession. C'est qui est au-dessus de la ceinture, tu sais? Oh. Je dis pas bravo. Ah, c'est bon. Ah, quoi, pour ça? Ah, voilà, ça a déjà bien guéri, quoi. Ouh là là. Ah, c'est une bonne brûlure. Oh là. Ah, bah là, c'est en train de prendre infection, Jeff. Oh, merde, t'es con. Il est con, ouais. Ah, il est très con. Putain. Oh là là. Oh putain, ah, putain la merde. Gueule. Moi j'ai plus de faire. Ah mais moi je te dis ça a pris infection. Hein? Ça a pris infection. Bah non. Si parce que c'est jour. Bah non, ça c'est les pansements, la crainte, tu sais, les pansements. La claque, il a pété, c'est chou. Bah je me suis brûlé au travail en fait. Je me suis pris de l'huile sur la main. Ça fait que ça a un petit peu cramé, quoi. Un petit peu. Un petit peu. Bon, c'est pas trop grave, mais de toute façon, n'importe quel cuisinier va se prendre de l'huile une fois sur la main, quoi. C'est pas... Mais sur les pieds. Sur les pieds, ouais, mais sur les pieds, t'as une chaussure, quand même. Là, j'avais pas de chaussure, quand même. Ben, après mon apprentissage, il me reste encore beaucoup de temps à vivre, je sais pas encore ce que je vais faire. Là, il me reste encore 2 ans. Donc, pendant 2 ans, normalement, je dois continuer mon travail. Après, on va voir, je vais me faire opérer du cœur, là, au mois de septembre. Donc je vais avoir de nouveau 2 mois d'arrêt de travail. Je sais pas comment mon patron il va réagir, mais il y a de fort. Soit je vais me faire virer, soit ils vont me motiver à me tirer, soit ils vont accepter ça, puis ça va passer, ça on va voir. Mais c'est pas des petites opérations, et puis ça prend un certain temps quand même à pouvoir remarcher, pouvoir faire la physio et tout, comme il m'ouvre tout le torse là, il m'ouvre toutes les côtes. Donc ouais. Bah ouais, là je me suis déjà fait opérer 2 fois, quoi. Puis ici les côtes là, à cet endroit-là, et le temps que les côtes elles se ressoudent et tout, que je puisse refaire quelque chose, ça prend quand même facilement un mois et demi. Donc c'est des moments où je peux pas travailler, donc je sais pas comment mon patron va le prendre. Donc on va voir si je vais rester à travailler ou pas. La meuf fait pas peur, non, mais ouais, c'est à elle que ça lui fait chier, puis comme je l'aime, ben ça me fait chier de lui faire chier en fait. Mais non, j'ai pas peur de mourir, sinon je me ferais pas réopérer, parce qu'il y a 1 chance sur 4 pour que j'y reste. C'est plutôt du genre, ouais, je vais à droite, à gauche pendant un certain temps. Et pour eux, ça veut rien dire, mais pour nous, ça veut dire quelque chose. Pour moi, je sais pas, je veux dire, j'ai tout à fait compris la psychologie de mon copain. C'est genre, il fait une connerie, mais il s'en rend pas compte sur le moment parce qu'il se dit, pour lui, ça veut rien dire. La meuf, c'est, ouais, je te prends un soir, puis le lendemain, bah, va te faire foutre. Mais je veux dire, ce que j'aime pas trop, c'est que si moi, je fais ça, moi, je me fais 10 fois plus gueuler, quoi. C'est clair. Je veux dire, voilà, quoi, je me fais 10 fois plus gueuler. C'est comme en général, si les gars se font plein de meufs, genre je connais certaines personnes avec des lunettes. Si un gars se fait plein de meufs, il assure. C'est parce qu'il assure, parce que c'est un beau gars et tout. Si la meuf fait ça, c'est une salope direct. Mais pour le sida, moi, je me suis fait tester 2 fois. Il faut que j'arrête de faire la conne, mais c'est. Genre la capote, c'est chiant parce que c'est le truc qui casse vraiment. Je sais pas. T'es en plein dans le truc, et puis tout d'un coup, il y a un machin de plastique, de là, bon, attends 2 secondes, machin. On peut y faire en toute simplicité, enfin, dans le truc, vraiment, que ça joue le jeu, machin. Mais en général, c'est pas dans le jeu, quoi. C'est à part, puis c'est vraiment, c'est pas la même sensation, quoi. Parce que, je sais pas, déjà, ça coûte vachement cher. Ils font plein de campagnes contre le sida, machin, qu'il faut faire gaffe. Mais en attendant, les capotes, c'est tout vachement cher. Ouais, ça, ouais, c'est ça.
Puis quand t'as pas de thunes, c'est très chiant qu'il faille te faire 8 balles pour avoir un paquet de capotes pour qui dure même pas 2 jours ou 3 jours, ça dépend de la personne. Quoi. Si on fait la manche, ben c'est pour parce qu'on n'a pas le choix, on ne peut rien faire. Que pour un boulot, moi on ne prendrait pas tel que je suis habillé. Alors on essaie de survivre. Ou alors faire la manche aujourd'hui, ça devient vraiment de plus en plus dur parce qu'on est de plus en plus nombreux. Et c'est vrai que c'est dur, il faut trouver les endroits. Il faut regarder le nombre de personnes qu'il y a. Par exemple, là-bas, il y avait déjà 2 personnes qui faisaient la manche. Il y avait en plus un gars qui joue du violon. Si on demande encore aux gens, ça les agresse. Ça les donneront jamais. Ils passeront tout droit parce qu'on leur a déjà demandé ou parce qu'ils sont agressés, parce qu'il y a beaucoup de personnes. Il faut essayer de choisir un endroit où il n'y a pas beaucoup de monde, où il n'y a personne même carrément. On a beaucoup plus de chances de gagner de l'argent, quoi. Faire là où on est tout seul, quoi. Faut vraiment... En fait, la plupart du temps, il faut faire quelque chose. Par exemple, jongler, comme t'as vu, cracher du feu. Faire rire aussi. Ouais, ça marche bien. Être joyeux avec les personnes, là, ça peut bien ramasser. Quoi. Être poli. Genre, si on dit « merci quand même, bonne soirée », la personne va se dire « tiens, en fait, m'agresse pas tant que ça ». Puis, ça se trouve, elle repasse, elle redonne une petite pièce. C'est déjà arrivé souvent, ça. Ouais, ça m'est arrivé aussi plein de fois, ça. C'est pour ça qu'il faut pas envoyer chez personne quand ils veulent pas nous donner, parce que de toute façon, on peut pas les obliger. Salut, monsieur, un petit nettoyage de vitre. Salut, monsieur, un petit nettoyage de vitre. Bonjour, monsieur, nettoyage. Salut, monsieur, nettoyage. Allez. C'est pour mes études, madame, je travaille pour pas très cher. Il a peu fait. Non, ouais. Pas encore. J'ai le temps de vous la faire. Vous voulez? Oui. Ouais, ok. Nettoyer les vitres, c'est clair que c'est dégradant, il y a la pollution, on est en plein milieu de pôle d'échappement gros comme ça, qui arrive en plein dans la gueule, le gazoil, le diesel, tout ça. Mais c'est pas plus difficile que de faire la manche, de demander sans arrêt à tout le monde, quoi. Sauf que la différence, c'est qu'en un certain sens, on se sent moins rejeté, parce que les gens sont déjà dans des boîtes à conserve, ils sont dans leur voiture à eux, puis si jamais ils s'en vont, c'est pas grave, de toute façon, il y en a encore après. Je fais les études à l'ECG. C'est l'école de culture générale. J'apprends un peu tout. Je sais pas, je vais peut-être poursuivre mon paramédical si j'arrive. Les études ont toute la Vous nous donnez votre nom, s'il vous plaît. L'aventure. Comment? L'aventure. Je connais, non? Si j'ai pas de style. Si vous voulez, on peut l'arranger. Non, c'est pas à vous. Bah, vous me forcez à ranger ce qui est pas. Le seul truc qu'on a à faire à vous. Ouais, c'est les bières. C'est bon? Alors, vous souhaitez une bonne soirée. Vous êtes. Merci, au revoir. Au revoir. Samson. Ouais, ils font chier pour un rayon. Tu prends pour combien de bières à part ça? Quelques-unes. Ouais, non, mais c'est... On verra bien sur le moment. Eh bien, mieux.
avec la gueule de plancher. T'as fait la comptabilité ou non? C'est bon. Bientôt. Mais on t'a. Arrive à compter ou pas? Je te fais confiance. C'est bon, je suis mort. J'ai commencé à m'habituer à boire. D'abord un demi-litre, ensuite un litre, ensuite un litre et demi, ensuite 8 litres par jour. J'ai commencé les extasies. Ensuite, directement après, j'ai pris des acides, du LSD. Et en fait, j'ai beaucoup aimé le LSD à cause du côté hallucinogène, le fait de voir des petites choses qui bougent un peu à gauche, à droite. Puis maintenant, en fait, enfin après avoir une longue période où j'ai à la fois abusé, et perdu le contrôle. Ouais, j'ai eu une période où vraiment je trouvais ça drôle quoi, de prendre beaucoup de LSD et puis de continuer encore et encore. Puis après une forte dose, j'ai dû arrêter quoi, j'ai dû me faire sevrer un peu. Je suis quelqu'un qui a été dépassé par ce qu'il a fait. J'ai vécu vraiment le mythe du no future. Pas de futur, pas de demain quoi. Tout ce qui arrive maintenant, c'est maintenant. Calmé, j'ai tout arrêté. Je prends mon pied en fait en faisant du sport jusqu'à ce que je sois plus que fatigué. Et c'est le seul moyen que je trouve pour combler le manque que j'ai à l'intérieur de moi. Pas giclé, bordel. Non, arrête ça, bordel, Jeff, fais chier, hein. Tiens. Barre-toi. Non, mais moi, j'en ai marre, j'aimerais bien que tu me laisses pioncer une fois en matin, quoi. Un matin, c'est 2h de l'après-midi, tu vois. Jeff, on va prendre le prochain train, ça. Le bus t'arrive pas beaucoup plus tôt, Benjamin. Salut, Jimmy. Voilà. Bien dormi. Hein? Bien dormi. Bah, disons que, ouais, on boit, c'est bon la bière et pour se fendre la gueule. Puis... Enfin, on peut se fendre la gueule sans bière, mais bon, ouais. C'est encore plus délire quand on boit, t'sais. Pourquoi les gens ils boivent, pourquoi les gens ils fument des joints, pourquoi les gens ils prennent de l'héro, pourquoi ils prennent de la coke. Ben, c'est peut-être pour améliorer leur jour. Et pourquoi ils sont pas heureux dans leur jour sans prendre ça. Ben. Cette société, elle est mal foutue, c'est parce que c'est tout de la merde. Et puis, les gens, simplement, ils essaient d'oublier ça. Par là. Plutôt que de se révolter et puis de dire ouais, écoutez, on en a marre, faites chier. Allez, dites ce que vous pensez et puis arrêtez vos conneries. Pour moi, quand je suis sous l'effet de l'alcool, c'est vrai que je suis vachement plus joyeuse, puis je pense moins à ce qui se passe là, ailleurs, quoi. Là, on est dans notre squat, il y a personne qui nous emmerde, on est hors de la ville. Je veux dire. Là, ça nous vit une communauté en dehors du monde ailleurs. En fait, nous, on vit dans un petit monde qui est à nous, qui est différent. Et puis, il y a des gens du monde extérieur qui viennent ici, et puis nous, on va dans le monde extérieur aussi. Et puis, voilà, mais simplement, nous, on vit différemment. Et puis, tout ce qu'on... Ouais, nous, on tolère les autres qui vivent différemment, mais tout ce qu'on demande, c'est qu'on nous tolère aussi. Moi, je pense que les gens, simplement, ils devraient comprendre qu'on essaie de survivre, et puis qu'on n'est pas méchant, puis qu'on va pas leur croquer leur thune, puis... Que, franchement, ils devraient être plus compréhensifs vis-à-vis de nous. Et puis, la plupart des gens, je sais pas, ouais, mais ils s'en savent moins que nous de la vie. Parce que franchement, nous, on est heureux, et puis ça fait chier que les autres, ben, ils le soient pas. Voilà.
Salut Jean-Claude. Oh putain. Ah, tu veux t'acheter un bouffé? Moi j'ai faim. C'est la douche, les tours. Accroché sur la PlayStation, toi. Et c'était quand la révolution avec Napoléon ou je sais plus qui là. 1850. C'est... Oui. 51 peut-être. Il manque des années. Napoléon. Avec Napoléon III, tu dis? Quand Napoléon III il a gagné Waterloo. Quand il... J'ai plus. Ah ouais, sous Napoléon Ier. Peut-être, ouais. Je sais pas. C'était mis. La Révolution française, c'était en 1789, en tout cas, c'est une date qui est facile à souvenir. Ça fait un 789. Ah ouais. Ah, mais c'est bon, tu peux faire ça. Mais ça pas trop, enfin, attends, je sais pas. Laisse mouiller en haut déjà, tu sais. Bah non. Bah oui, tu peux le foutre de la vie. Tu veux. Faut faire bouillir l'eau normalement, tiens. Bah non, attends. On s'en fout. 1 demi-litre à ébullition. Il faut faire bouillir l'eau avant. Non, mais laisse-moi passer. Merci. De rien. C'est chaud. Ça fait 2 ans que je la gonfle pour avoir un gosse et c'est elle qui veut pas. Ah, pour moi, c'est trop tôt, quoi. C'est beaucoup trop tôt. Moi, pour moi, je me sens pas assez mature dans ma tête pour avoir un gosse. Je sais que si j'en ai un, je sais que je pourrais l'assumer, mais voilà quoi, moi je veux... Pour moi, dans ma tête, j'ai encore envie de m'amuser. Et puis, je sais pas, quand je suis en train de faire la fête en bas et que je suis obligé de monter parce que mon gosse, il chiale, ben, là, ça me, en ce moment, ça me ferait chier, ouais. J'aimerais pas... Pour le moment, j'ai pas trop envie, quoi. J'ai envie d'en avoir un, mais je vais attendre. Je suis pas assez mature dans ma tête. Je pense. Et puis aussi, ce qui fait chier, c'est qu'elle pense qu'un gosse, il doit vivre dans un environnement propre. Bah, mais quand même, un minimum, quoi. Alors que t'aurais été habitué à vivre dans la forêt, bah, tu vivrais toute la forêt depuis ta naissance, puis tu vivrais très bien aussi. C'est pas ça que je te dis. C'est juste que. Si je te dis qu'il y a des canettes de bière par terre, partout, qu'il y a des mégots de clubs partout, un gosse, ça bouffe n'importe quoi. Bah oui, bah, ça boufferait des branches de bois, ça reviendrait au même. Puis il y a tout le monde qui a vécu, tous les animaux, tu sais, comme nous, tu sais. Ils vivent et ils survivent comme ça, et puis ils y arrivent très bien, mais qu'eux aussi, ils bouffent n'importe quoi, voilà, tu l'engueules, et puis c'est bon. Ouais, mais bon, je veux dire, il faut quand même que ce soit... Je dis pas que, bah voilà, que ce soit dans un appart besoin. Et tout, c'est mais je dis qu'il faut que ce soit un minimum. Ça apprend à se défendre, ça apprend à... Oui, d'accord, évidemment, si mais tu qu'il y ait un minimum un stérile, d'hygiène quand même, dans un certain sens, parce que si c'est comme le garage, ton gosse, voilà, quoi. Bah, il y a plein de gosses au garage, désolé. Ah ouais. Moi, j'en ai connu 2 ou 3 qui habitent là-bas, puis ils survivent très bien, c'est juste une question d'apprentissage. Ah non, passe par là. Mais ça s'apprend, t'apprends à faire tes anticorps. Si tu bouffes pas des médicaments toute la journée, ben t'aurais pas besoin tout le temps d'en prendre, t'sais. Ton corps, il est capable de se défendre tout seul, t'as pas besoin d'antibiotiques. C'est juste que depuis tout petit, ben, on t'a appris que quand t'es malade, tu peux des antibiotiques, c'est bon. Et puis ton corps, ben, ses anticorps, il ne forment plus. Je dis pas que je veux pas avoir de gosse dans un squat, je dis pas ça du tout. Je dis juste que je veux quand même qu'il y ait un minimum d'hygiène, je dis pas que ce soit... Tu sais, là, je veux dire, cette piole, ça va, pour un monde, ça irait très bien. Mais je veux dire, genre, fumer la gueule de mon gosse, fumer dans la piole d'un gosse, c'est peut-être pas très cool. S'il veut fumer, bah, il fumera tout seul. C'est pas à toi de lui imposer ta fumée non plus, quoi. Mmh. C'est ça que je veux dire. Pour en fumer quand t'étais petite, ça t'a pas posé de problème. Bah, il fumait pas dans ma piole. Ah bon, ça change rien, ça. Bah, ça change quand même. T'imposes pas, c'est comme si tu fais dormir un non-fumeur ou c'est que t'as clopé toute la journée, il supportera pas. Tu sais très bien qu'on n'est pas d'accord là-dessus, alors c'est bon. Ça sert à rien d'en discuter, toi. Ouais, parce qu'on va se bagarrer. Pas cool.
Mes parents m'ont filé la protection quand j'étais jeune et puis que j'en avais besoin, j'avais peur de tout. Mais j'ai jamais vraiment connu la passion avec mes parents et ça c'est quelque chose qui m'a toujours manqué. Ouais, au début j'avais vraiment besoin d'appartenir à un groupe, je me sentais assez seul dans ma tête. Je me disais qu'en fait j'appartenais, ma vie appartenait à cette société sans que j'aie le contrôle dessus et je trouvais ça insupportable. J'ai pas envie qu'on me dise quoi faire ou quoi dire ou des choses comme ça. Et étant donné que vraiment j'étais très fâché contre toute cette ambiance, cette société en général, je me suis dit que plutôt que de rester là avec mon air tout victime, quoi, je préférerais plutôt devenir un punk, me colorer la tête, des habits crades, avoir des vestes à clous, etc. Et puis ça a continué comme ça pendant 2 ans. Ensuite, j'ai un peu changé de mouvement, mais pas beaucoup. En découvrant le skateboard, je me suis mis à porter des habits larges parce que c'est beaucoup plus facile. Bon, ça c'est juste extérieur, quoi. Ce que je pense intérieurement, ça n'a pas changé. Et puis ça changera pas d'ici assez longtemps, je pense. C'est de la merde, cette vidéo. Okay. Jimmy, viens voir. Hey, tu veux que je te tourne? Jimmy! Ok. T'as toujours pas rentré dormir cette nuit, Sylvain? Non. Ah, mais ça, ça va pas. Hein. Tu vas péter le couteau. Ça va pas. Ouvrir ta boîte, c'est vraiment un joli intérieur. Moi, ça va. Mais non, hein. Laisse-moi faire. Non, je te laisse faire. On dit là, on va pas Je m'en fous, les gens ils peuvent venir emprunter, mais tant que c'est lavé en minimum, parce que franchement tu regardes les casseroles. Mais ce sont truc, là, c'est pas bouffable quoi. Il faudrait que je à chaque fois. T'sais. Ouais, mais moi dès que j'ai fini là, je passe juste un coup avec le, dire, avec la, la, une serviette, ça, c'est bon quoi. Quand t'as ta casserole toute crade, t'as pas envie quoi. Bah dès que t'as fini, tu y balances, parce que de toute façon on va pas y récupérer. Quoi. Parce que moi, faut que je nettoie la casserole, parce que voilà, quoi. J'ai le poids bouffé dans les trucs crap. Quoi. Il y a qui qui vient avec moi, là, quand même, Dague, hein. Ouais, c'est pas terrible. C'est fort. Bah, tiens, bien ça, là. C'est clair que les gens ils confondent provocation et non respect, c'est ça surtout. Bon, moi personnellement c'est assez pour la provocation que je fais ça, mais aussi pour faire réagir les gens qu'on n'est pas tous pareils dans la vie. On peut pas arborer juste un style pour être bien, pour être dans la voie. Il y a plusieurs voies dans la vie et puis on peut pas toujours prendre le bon, le juste, celui que tout le monde veut, celui que tout le monde aime. On doit rester comme on est, comme on aime. Et puis voilà, si ça plaît pas aux gens, bah tant pis, il faut qu'ils acceptent. Parce que nous, on accepte le style de vie des autres, ils nous acceptent aussi. C'est le respect mutuel entre les gens, puis ils n'existent pas pour tout le monde, quoi. Ils ont du mal à se mettre ça dans la tête, de nous respecter. Il est squatteur, il est punk, alors ça fait tout. Il tape la manche, il a pas de sous, il fait rien de sa journée. Alors on est tout de suite casés, quoi.
Quand je marche dans la rue, par moments, je suis tout seul, au milieu de plein de personnes, et comme les personnes, elles me regardent, mais... c'est vachement chiant. Tu me prennes pour une merde, quoi. Là, je vais essayer la scarification. Ce que j'ai essayé, c'est celui-là. Je vais acheter un scalpel à la pharmacie. Je vais les scarifications. Je vais acheter un scalpel à la pharmacie, je vais essayer. Dans un petit dégoût, je vais me découper de partout. Mais j'en ai, moi, c'est cool. Ah. Ben, justement, je l'ouvre. Et après, on verra. Regarde. T'es le bras avec ça. Non, ça a pas tenu en fait, la soudure. Le tatouage, c'est pour s'exprimer. Les idées qu'on a envie de marquer, qui peuvent représenter des choses pour moi maintenant, qui me plaisent, mais c'est pas pour le montrer à tout le monde. La croix à l'envers, c'est un blasphème envers le catholicisme. Ça, c'est un foutage de gueule, moi je trouve, le catholicisme. Jésus, bon, il s'est fait crucifier à l'époque romaine, mais on le voit plus, on dit Jésus vit toujours, il vit en nous, comme ça. Mais on le voit pas arriver. Il y a plein de merde, il y a des maladies, il y a le cancer, le sida, il y a tout, des meurtres, des accidents. Mais alors, si Dieu était là, il nous ferait un signe, alors, à ce moment-là. On dit que Satan, c'est la guerre, c'est le meurtre, enfin, le sang, tout, quoi, la mort, les ténèbres. Mais lui, au moins, il se présente. C'est peut-être pas bien, peut-être, j'en sais rien, moi, je suis orienté là-dedans. Mais Dieu, s'il existait vraiment, il se bougerait le cul. Il se bougerait le cul pour nous aider. Je suis dans la merde. Si Dieu existait vraiment, il me filerait de la thune, il me filerait un bon toit, il m'aidera vraiment. Bon, on peut aussi me dire, bouge-toi le cul, t'as qu'à te démerder aussi. Je peux aussi me démerder. Mais simplement que, voilà quoi. Si Dieu existait vraiment, enfin, il existe quoi, j'y crois en Dieu, mais simplement je renie. Mais pour moi, je crois en Satan, je le vénère, j'aime bien Satan. Bon, je l'ai jamais vu, je suis pas prêt de le voir sûrement. Mais lui, il existe au moins. Il me fout peut-être dans la merde, il joue peut-être un jeu avec moi, mais moi je crois en lui. Ah,
Ouais, bon, un verre quelque part, quoi. Je pense avoir soif, mais on va voir. On est tellement paumé. Et là, mais on est très loin de la gare. Hein. Je sais pas. Ça va. J'ai aucune idée où. Oh, j'en ai ras le cul, quoi. Ouais, mais moi aussi, quoi. Ouais, moi, sérieux, on se prend un train, on va à la gare. On va se poser dans un putain de bistrot, quoi. Ouais, mais vers la gare, toi, ou je sais pas, on s'en trouve un ici. On se pose un. L'amour. C'est tout ce qu'on a de bien, je sais pas, je pense que c'est tout ce qu'on a de bien en nous. C'est l'amour, c'est tout. L'amour que j'ai pour les gens. L'amour que j'ai pour mes potes, pour mon chien, pour ma copine, pour tout, quoi. L'amour que t'as pour les gens, c'est vraiment une des plus grosses valeurs qu'il y a dans ce putain de monde, quoi. C'est ça, quoi. C'est l'amour que tu peux avoir pour les gens, c'est ça qui t'accroche à la vie, quoi. C'est pas autre chose, quoi. Je sais même pas de quoi rêver, quoi. Je vois vraiment le futur, voilà. Je vois quand même un écran noir, c'est tout, quoi. Je crois pas au futur, quoi. On verra bien, quoi. On verra bien comment ça se passe, on verra bien ce que je serai, quoi. Je suis vraiment pas positif là-dessus, quoi. J'ai choisi d'être dans la rue, d'être dans la merde, à taper la manche. Bah, j'assume, quoi. Et j'y serai peut-être jusqu'au bout, quoi. C'est pas grave. Si Dieu veut que je sois plombier, ben, il me fera plombier. On verra bien comment ça se passe. Quoi. Pour l'instant, je vois noir. Je me suis sorti de la drogue, voilà, j'ai mon chien. J'ai tout pour être heureux et je vois noir quand même. Quoi. Parce que j'y crois pas. Chaque jour, je l'aime encore plus et je sais pas comment je fais. Quoi. Je sais pas comment je fais pour l'aimer déjà plus que ce que je l'aime. C'est ma moitié, quoi. Je peux pas vivre sans lui. Sans madame, vous n'auriez pas un petit peu de monnaie à dépanner, s'il vous plaît. Soirée. Bonsoir, vous n'auriez pas une petite pièce, s'il vous plaît. Pardon ? Vous n'auriez pas un petit peu de monnaie à dépanner, s'il vous plaît. Bonne soirée. Je me suis fait opérer du cœur il y a 3 semaines. J'ai pas eu peur, vraiment. C'était la 4e fois que je me faisais opérer, donc je savais que la personne qui m'opérait, c'était quelqu'un que je connais, en qui j'avais confiance. Et donc, j'ai pas vraiment eu de peur. J'ai eu mal, mais j'ai pas eu peur. Et je pense que la mort, c'est pas quelque chose qui est si atroce, et on verra bien. Le jour où on sera mort, ben on verra bien. Et ça me fait pas peur. On verra bien. Comme demain, ça me fait pas plus peur que la mort. C'est un jour, c'est quelque chose qu'on connaît pas. Qu'on soit mort, qu'on soit vivant, ça change rien. Ça se fait depuis que j'ai 12 ans que la relation s'est dégradée. Et je suis parti de chez moi, j'avais 15 ans. Ah, là, j'habitais avant dans la cave. C'est mon père qui m'a dit, ça va plus, tu dégages, moi.
C'est vrai qu'on avait malheureusement des ententes qui n'étaient pas toujours évidentes. Que pour finir, on a fini par se divorcer. Pas directement à cause de toi, mais enfin bon, je veux dire qu'il y a quand même un malaise qui s'est installé à ce niveau-là. Et puis quand maman est partie, ben c'est vrai, je t'ai demandé de partir également parce que moi j'avais besoin de me retrouver, j'avais besoin de refaire ma vie, j'avais besoin de retrouver un certain équilibre. Et puis pour retrouver un certain équilibre, j'avais besoin peut-être de me retrouver seul pendant un certain temps. Je me suis divorcé principalement parce que je ne m'entendais plus avec maman, je ne m'entendais plus avec toi, je ne m'entendais plus avec personne. Donc en définitive, si on ne s'entend plus avec personne, on a meilleur temps de divorcer, de se séparer. Et puis ça, c'est un choix qu'on a fait entre maman et moi. C'est clair, tu ne rentres pas à 100% dans ce principe, mais enfin bon, il est quand même là. Et puis, bien entendu, que c'est clair que si je t'ai demandé effectivement à un moment donné de partir, c'est principalement moi pour me retrouver et puis de prendre une certaine distance à ça. Bah oui, mais voilà, quoi. C'est pas spécialement de ma faute ni de l'état dans lequel tu as ma chambre. Mais j'ai pas dit que c'était ta faute, bien entendu. Ouais. Il faut pas toujours mettre la faute sur toi. Ouais, tout à fait. Mais bon, maintenant, je pense que c'est une bonne chose qu'on habite plus ensemble et puis qu'on se voit de temps en temps et puis que. Comme ça, au moins, ça pose pas de problème. Et puis, au moins, quand on se voit, on s'engueule pas, puis on se tape pas sur la gueule. Mon père, pour moi, c'est pas quelqu'un que j'aime, quoi. Donc, j'essaie de le voir différemment. Et puis, je crois que c'est ça qui permet que j'arrive à avoir des meilleurs rapports maintenant avec lui. C'est que je le vois plus comme mon père qui m'a fait chier pendant toutes ces années. Et je pense que lui, il doit plus tellement me voir comme son fils qui l'a emmerdé pendant toutes ces années. Et puis, je pense. C'est peut-être pour ça qu'on arrive mieux à s'entendre, quoi. Ouais, mais c'est vrai, j'ai encore. Merci. Voilà, bon appétit. Merci. T'as manqué ? Non, mais si je prends Blutti, c'est mieux. Moi, enfant, et moi, maintenant, c'est pas la même personne. J'ai totalement changé. Je veux plus rien avoir à faire avec mon enfance. C'était pas moi. C'était peut-être ce que mes parents voulaient que je sois, mais c'était pas moi, en tout cas. Je remercie mes parents de jamais m'avoir tabassé, de toujours m'avoir tout donné, mais peut-être que d'un côté, ça m'aurait peut-être plus appris de ce que c'était que la vie, mais au moins, j'ai une belle enfance et puis j'ai pas des souvenirs d'enfance qui m'ont marqué et puis qui m'ont fait du mal, quoi. Je les remercie pour ça, mais voilà, quoi, maintenant, je suis quelqu'un d'autre, quoi, c'est tout. J'ai appris à devenir quelqu'un d'autre en me prenant des baffes toute seule, quoi. J'aimerais bien me barrer de cette planète. J'aimerais bien que ça change, quoi. Ça, c'est clair, c'est un rêve. Puis aussi de vivre avec mon copain toute ma vie, ça, de toute façon. Parce que bon, je crois que le jour où c'est qu'il me largue, je pense que. C'est ou soit je me balance sous le train, ou soit j'essaie de refaire ma vie, mais je pense pas que j'arrive. C'est vrai, mettre quelqu'un d'autre dans sa pure avec lui. C'est une meuf ou un mec ? Un mec. Il s'appelle Tomate. Ouais, si jamais il est dans la rue et tout, tu seras d'accord qu'il vienne habiter dans ma chambre. Il l'a trouvé comme ça quand il était. Non, il est dans sa classe. Ah ouais ? Il fait ouais, il bosse et tout, c'est comme c'était une référence. Ah ouais. Ouais, il bosse, il est dans ma classe. Cool. Glacial. Hein? Je veux pas chaud dehors. Tiens, Nathan, il a peut-être. Tu fais pas chaud ça. Ça va? Tiens. Plus de batterie du tout, on va plus s'allumer. Puis de toute façon, j'ai bloqué le col, alors bon, voilà. Comment ça, t'as bloqué le col? Faut fait trois fois faute, maintenant je peux... Mais ta gueule. Pourquoi tu m'as bloqué? Je sais pas, c'est toi qui m'as dit de te réveiller. Ah ouais? Ouais, là. Sors. C'est quelle heure? 4h-5. Putain. Ouais, j'aurais bien dormi encore de petites heures. Adore encore de petites heures. Non, je peux pas. T'as la vie. Mm-hmm. Si tu veux, je t'accompagne. De toute façon, tu dois y aller, toi. Mm-hmm.
Vas-y, pousse. Tu m'as l'air. Regarde. À la bête, t'as pu pousser. Bien. Pousse, là. C'est trop foireux, cette porte de merde. Ça marche pas. Ah, c'est où? Regarde. Tu vois, regarde, là, tu peux aller voir plus, tu devrais la fermer plus. C'est bien, on est d'accord. Pousse la porte, là. Ça se voit, Mathieu. C'est laquelle? Avant, j'ai réussi à l'ouvrir à la fermer, maintenant. Voilà, t'es foncé, puis elle n'y a pas de la. Voilà, c'est ça, parce que là, elle est. Elle est... Non, non, faut prendre une barre en métal et faut la prendre au plus de biche. Tu vas la racheter. T'arrives à aller me pousser la porte et puis dehors? Ouais. Oh, mais tu vas pas la défoncer maintenant. Ouais, hein. Je regarde si, ça, si la barre elle va te péter ou bien si elle sera. Ça sonne pas si long, j'amène un pied et j'en ai main. T'as raison, toi. Jeff, autour ton pote, tu défonces la porte. C'est le cadre en bois clair qui défonce ou c'est la porte? Non, c'est des ponts où tu tapes, quoi. Mais non, t'es con. Mais c'est toi qui es con, il est quand même au pété, le truc. Ça va quand même se remettre, quoi. Ça bouge pas, Jeff. T'es complètement explosé. De toute façon, c'est explosé. Oui. Justement, alors attends, voir. Non, bon. Mais voilà, mais chaque fois qu'il y a quelque chose ici, bon, sans monsieur, vous n'avez pas une petite pièce, s'il vous plaît? Moi, je peux pas me donner un petit truc à manger. Ou un truc que je sais pas. Excellent, merci beaucoup. C'est cool. Bonsoir monsieur, vous n'avez pas une petite pièce? Je pense pas qu'elle m'ait changé beaucoup cette opération, simplement. Ça m'aura peut-être rappelé un petit peu ce que c'est vraiment souffrir, mais. Tout ce que ça aura pu faire, c'est m'endurcir un peu plus au fond de moi-même, c'est tout. Non, pour moi, l'amour, c'est pas quelque chose d'important, malgré le fait que ma copine, elle représente tout pour moi. C'est quelqu'un en qui j'ai confiance, c'est quelqu'un avec qui j'aime être, c'est quelqu'un avec qui je me dispute, c'est quelqu'un... En fait, elle représente tout, ma mère comme ma sœur, comme ma copine, comme... Elle représente tout pour moi. Mais mis à part elle, l'amour, c'est quelque chose que j'ai de la difficulté à avoir, parce que l'amour, il fait plus de mal qu'autre chose autrement. Je pense qu'en contrôlant ses sentiments, on arrive à beaucoup moins souffrir. Je sais pas, je vois pas comment on pourrait vivre sans sentiments, quoi, dans un certain sens, parce que c'est ce qui me redonne l'espoir de vivre, quoi. Je me dis, il y a quand même des choses qui sont belles dans cette vie. Puis c'est l'amour que j'ai avec lui, ouais, ça c'est une chose qui est vraiment belle, puis qui me donne envie de vivre encore, quoi.
Vivre dans la rue, c'est pas avoir de thunes. Squatter, à pas avoir de thunes, à avoir rien. Pour l'instant, je vis le jour le jour. Je fais ce qui me plaît, quoi. Je pense pas à l'avenir. Et alors là, vous nous arrêtez pourquoi? Quel motif? Ça, ça, t'as pas le droit de ça. Là, tu te fais arrêter par la police. Parce que la police. Bon, tu sais qu'il va falloir un peu con, ça, côté de là. Je prends une bière. Bouffe du pâte, ça. Mais ça bouge, c'est pas bien. Ok. T'aurais fait une petite pièce, s'il vous plaît, pour les crachats de feu. Salut, jeune homme, excusez-moi, vous avez peut-être une petite pièce de monnaie par hasard pour dépanner 8 personnes en train de faire la manche. Non ? Non ? Ah. Bonjour, madame, on n'aurait pas une petite pièce de monnaie à dépanner, s'il vous plaît, c'est pour ces jeunes artistes qui sont même pas en train de cracher du feu, même tout bientôt. Non ? Bonjour, vous n'aurez pas par hasard une petite pièce de monnaie à dépanner pour les crachants du feu. Mais ils crachent pas du feu en ce moment. Eh, vous voulez pas cracher du feu, s'il vous plaît, bordel ? Bacon. Bacon is back. Pourquoi le plus gris ? Ce que tu crois, c'est parce qu'il n'y a pas de beurre, il n'y a pas d'huile. Ah ouais, ça doit être ça. Ouais, non, mais c'est assez gras, ça. Je le dis, bacon, c'est plein de gras. Voilà, ouais, ouais, c'est gras, mais je te dis que. Donc c'est plein de gras. Pour moi, ça ? Ouais. Oh. Ah, j'ai même pas un point comme ça. Ouais, c'est. Quel gros sale. Ouais, bon, tout le monde. Mmh. Ah, c'est chaud. Moi, je suis parti de chez mes parents, j'avais 15 ans. Ils ont divorcé, mes parents, et puis mon père, il m'a dit, c'est bon, tu peux dégager, quoi. J'en ai marre, tu fous trop le bordel, tu viens tout le temps avec tes potes, tu te fonds trop la gueule, moi, j'arrive pas à dormir, tu mets la musique trop fort, enfin, j'en ai plein le cul, quoi. Donc, tu peux dégager. Et puis, ben, je suis venu ouvrir ici avec Christophe. On a ouvert les deux ici, et puis Mehdi aussi. On a ouvert là, puis depuis, ça fait un an qu'on y est, et puis... On essaie de survivre, puis si on se fait foutre dehors de là, ben on ira trouver autre chose. On ouvrira une autre maison. Je sais pas, on va se démerder. En fait, c'est ça. Et puis elle, maintenant, ben, ça fait... je sais pas, 6 mois qu'elle vient dormir là toutes les nuits. Et puis... on essaie de s'arranger le mieux possible avec ses parents, parce qu'elle en a un petit peu marre aussi, elle est bientôt majeure. On a plein le cul de ses parents, puis... Non, pas de mes parents, mais c'est que j'apprécie pas que mon père... Enfin, il comprend pas que je grandis, quoi, en fait. Il n'arrive pas à comprendre ça. Ma mère, c'est bon, tu sais. Ma mère, c'est juste que je lui manque, mais à part ça, elle m'emmerde pas, quoi. De vivre en squat, il y a un gros avantage, c'est que tu vis avec tes copains, déjà. Le désavantage, c'est que t'es pas chez toi. Tu bouges tout le temps, t'es pas forcément toujours au même endroit. Tu te déplaces, ça ferme, ça ouvre. T'es toujours obligé d'aller quelque part, et puis t'as toujours quelqu'un qui t'aime pas dans la maison où t'habites. Là, c'est petit, c'est cool. On est tous des copains, c'est pas pareil. Mais dès que tu vas dans des plus grands squats, il y a toujours des gens, des bastons, des gens qui s'aiment pas et tout. Non, je vais aller me baigner. Tu vas aller te baigner avec tout ça? Ah, mais je vais pas me mouiller. Non, merci, je suis chaud. Tu vas nager avec un bord. Je pas au bord du lac? S'il vous plaît. Dans un petit moment. Bouge ton cul, Dom. Normalement, c'est toujours toi qui gueule pour aller te baigner, tu sais. Je ne pas ça que tu te demandes de venir. Ah, pour une fois, j'ai pas trop envie. Viens. Mais dans un petit moment, je t'ai dit. Ah putain, je l'ai. Bah, allez, viens au bord du lac. Bah, viens aussi, dame. Ouais, je t'ai dit que j'arrive dans un petit moment.
Ton cul. Au dernier anniversaire. Avant, Seigneur, nous le rendons. Allez, 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 Hop, le fait. Elle vit très flash. Elle a un peu fait la boutique. C'est ça, après une obsession. C'est qui est au-dessous de la ceinture, tu sais. Oh. Dis pas bravo. À fort. Ah, quoi, pour ça? Bah voilà, ça a déjà bien guéri, quoi. Ouh là là. Ah, c'est une bonne brûlure. Là. Ah bah là, c'est en train de prendre infection. Oh merde, t'es con. Il est con, ouais. Ah, il est très con. Putain. Oh là là. Oh putain. Oh, ah, putain, la merde. Gueule. Moi j'ai plus de la flaque. Ah mais moi je te dis ça a pris infection. Hein? Ça a pris infection. Bah non. Si parce que c'est jour. Bah non, ça c'est les pansements, la crainte c'est les pansements. La claque il a pété, c'est chou. Bah je me suis brûlé au travail en fait, je me suis pris de l'huile sur la main. Ça fait que ça a un petit peu cramé quoi. Un petit peu. Un petit peu. Bon, c'est pas trop grave, mais de toute façon, n'importe quel cuisinier va se prendre de l'huile une fois sur la main, quoi. C'est pas... Mais sur les pieds. Sur les pieds, ouais, mais sur les pieds, t'as une chaussure, quand même. Là, j'avais pas de chaussure, quand même. Ben, après mon apprentissage, il me reste encore beaucoup de temps à vivre, je sais pas encore ce que je vais faire. Là, il me reste encore 2 ans. Donc, pendant 2 ans, normalement, je dois continuer mon travail. Après, on va voir, je vais me faire opérer du cœur, là, au mois de septembre. Donc je vais avoir de nouveau 2 mois d'arrêt de travail. Je sais pas comment mon patron il va réagir, mais il y a de fort. Soit je vais me faire virer, soit ils vont me motiver à me tirer, soit ils vont accepter ça, puis ça va passer, ça on va voir. Mais c'est pas des petites opérations, et puis ça prend un certain temps quand même à pouvoir remarcher, pouvoir faire la physio et tout, comme il m'ouvre tout le torse là, il m'ouvre toutes les côtes. Donc ouais. Bah ouais, là je me suis déjà fait opérer 2 fois, quoi. Puis ici les côtes là, à cet endroit-là, et le temps que les côtes elles se ressoudent et tout, que je puisse refaire quelque chose, ça prend quand même facilement un mois et demi. Donc c'est des moments où je peux pas travailler, donc je sais pas comment mon patron va le prendre. Donc on va voir si je vais rester à travailler ou pas. La meuf fait pas peur, non, mais... ouais, c'est à elle que ça lui fait chier, puis comme je l'aime, ben ça me fait chier de lui faire chier en fait. Mais non, j'ai pas peur de mourir, sinon je me ferais pas réopérer, parce qu'il y a 1 chance sur 4 pour que j'y reste. Je veux dire, un mec, c'est plutôt du genre, ouais, je vais à droite, à gauche pendant un certain temps. Et pour eux, ça veut rien dire, mais pour nous, ça veut dire quelque chose. Pour moi, je sais pas, je veux dire, j'ai tout à fait compris la psychologie de mon copain. C'est genre, il fait une connerie, mais il s'en rend pas compte sur le moment parce qu'il se dit, pour lui, ça veut rien dire. La meuf, c'est, ouais, je te prends un soir, puis le lendemain, bah, va te faire foutre. Mais je veux dire, ce que j'aime pas trop, c'est que si moi, je fais ça, moi, je me fais 10 fois plus gueuler, quoi. C'est clair. Je veux dire, voilà, quoi, je me fais 10 fois plus gueuler. C'est comme en général, si les gars se font plein de meufs, genre je connais certaines personnes, avec des lunettes. Si un gars se fait plein de meufs, il assure. C'est parce qu'il assure, parce que c'est un beau gars et tout. Si la meuf fait ça, c'est une salope direct. Mais pour le sida, moi, je me suis fait tester 2 fois. Il faut que j'arrête de faire la conne, mais c'est. Genre, la capote, c'est chiant parce que c'est le truc qui casse vraiment. Je sais pas. T'es en plein dans le truc, et puis tout d'un coup, il y a un machin de plastique, t'es là, bon, attends 2 secondes, machin. On peut y faire en toute simplicité, enfin, dans le truc, vraiment, que ça joue le jeu, machin. Mais en général, c'est pas dans le jeu, quoi. C'est à part, puis c'est vraiment, c'est pas la même sensation, quoi. Parce que, je sais pas, déjà, ça coûte vachement cher. Ils font plein de campagnes contre le sida, machin, qu'il faut faire gaffe. Mais en attendant, les capotes, c'est tout vachement cher. Ouais, ça, ouais, c'est ça.
Puis quand t'as pas de thune, c'est très chiant qu'il faille te faire 8 balles pour avoir un paquet de capotes pour qui dure même pas 2 jours ou 3 jours, ça dépend de la personne. Quoi. Si on fait la manche, ben c'est pour parce qu'on n'a pas le choix, on ne peut rien faire. Que pour un boulon, donc moi on ne prendrait pas tel que je suis habillé. Alors on essaie de survivre. Ou alors faire la manche aujourd'hui, ça devient vraiment de plus en plus dur parce qu'on est de plus en plus nombreux. Et c'est vrai que c'est dur, il faut trouver les endroits. Il faut regarder le nombre de personnes qu'il y a. Par exemple, là-bas, il y avait déjà 2 personnes qui faisaient la manche, il y avait en plus un gars qui joue du violon. Si on demande encore aux gens, ça les agresse. Ça les... Ils donneront jamais. Ils passeront tout droit parce qu'on leur a déjà demandé ou parce qu'ils sont agressés, parce qu'il y a beaucoup de personnes. Il faut essayer de choisir un endroit où il n'y a pas beaucoup de monde, où il n'y a personne même carrément. On a beaucoup plus de chances de gagner de l'argent, quoi. Faire là où on est tout seul, quoi. Faut vraiment. En fait, la plupart du temps, il faut faire quelque chose. Par exemple, jongler, comme t'as vu, cracher du feu. Faire rire aussi. Ouais, ça marche bien. Être joyeux avec les personnes, là, ça peut être bien ramassé. Quoi. Être poli. Genre, si on dit merci quand même, bonne soirée, la personne va se dire, oh, tiens, en fait, m'agresse pas tant que ça. Puis, ça se trouve, elle repasse, elle redonne une petite pièce. C'est déjà arrivé souvent, ça. Ouais, ça m'est arrivé aussi plein de fois, ça. C'est pour ça qu'il faut pas envoyer chez personne quand il veut pas nous donner, parce que de toute façon, on peut pas les obliger. Salut monsieur, un petit nettoyage de vitre. Bonne chose, hein. Salut monsieur, un petit nettoyage de vitre. Bonjour monsieur, nettoyage. Salut monsieur, nettoyage. Allez. C'est pour mes études, madame, je travaille pour pas très cher. La peut faire. Non, ouais. Pas encore. J'ai le temps de vous la faire. Vous voulez? Oui. Ouais, ok. Nettoyer les vitres, c'est clair que c'est dégradant, il y a la pollution, on est en plein milieu de pôle d'échappement gros comme ça, qui arrive en plein dans la gueule, le gazoil, le diesel, tout ça. Mais c'est pas plus difficile que de faire la manche, de demander sans arrêt à tout le monde, quoi. Sauf que la différence, c'est qu'en un certain sens, on se sent moins rejeté, parce que les gens sont déjà dans des boîtes à conserve, ils sont dans leur voiture à eux, puis si jamais ils s'en vont, c'est pas grave, de toute façon, il y en a encore après. Je fais les études à l'ECG. C'est l'école de culture générale. J'apprends un peu tout. Je sais pas, je vais peut-être poursuivre mon paramédical si j'arrive. C'est Dieu qui m'ouvre toute la porte. Vous pouvez nous donner votre nom, s'il vous plaît. L'aventure. Comment? L'aventure. Je connais, non? Si j'ai pas de style. Si vous voulez, on peut l'arranger. Non, c'est pas à vous. Bah, on va vous forcer à ranger, c'est pas à vous. C'est le truc qu'on a à venir à vous. Ouais, c'est les bières. C'est bon? Alors, on vous souhaite une bonne soirée. On vous laisse. Merci, au revoir. Au revoir. Ouais, ils font chier pour un rayon. T'en prends combien de bières à part ça? Quelques-unes. Ouais, non, mais c'est... On verra bien sur le moment. Eh, Bernie,
baguette de plancher. T'as fait la comptabilité ou non? C'est bon. Bientôt. Mais on t'a. Arrive à compter ou pas? Je te fais confiance. C'est bon, je suis mort. J'ai commencé à m'habituer à boire d'abord un demi-litre, ensuite un litre, ensuite un litre et demi, ensuite 8 litres par jour. J'ai commencé les extasies. Ensuite, directement après, j'ai pris des acides, du LSD. Et en fait, j'ai beaucoup aimé le LSD à cause du côté hallucinogène, le fait de voir des petites choses qui bougent un peu à gauche, à droite. Puis maintenant, en fait, enfin après avoir une longue période où j'ai à la fois abusé et perdu le contrôle, ouais, j'ai eu une période où vraiment je trouvais ça drôle, quoi, de prendre beaucoup de LSD et puis de continuer encore et encore. Puis après une forte dose, j'ai dû arrêter, quoi, j'ai dû me faire sevrer un peu. Je suis quelqu'un qui a été dépassé par ce qu'il a fait. J'ai vécu vraiment le mythe du no future. Pas de futur, pas de demain, quoi. Tout ce qui arrive maintenant, c'est maintenant. Je me suis calmé, j'ai tout arrêté. Je prends mon pied, en fait, en faisant du sport jusqu'à ce que je sois plus que fatigué. Et c'est le seul moyen que je trouve pour combler le manque que j'ai à l'intérieur de moi. Je giclais, bordel. Ah. Oh, de la clope. Pas de la bière, plutôt. Non, arrête ça, bordel. Jeff, fais chier. Hein. Tiens. Barre-toi. Non, mais moi j'en ai marre, j'aimerais bien que tu me laisses pioncer une fois en matin, quoi. Un matin, c'est 2h de l'après-midi, tu sais. Jeff, il y a encore le prochain train, tu sais. Les autres, le bus t'arrive pas beaucoup plus tôt, là, je vois. Disons que ouais, on boit, c'est bon la bière et pour se fendre la gueule. Puis... Enfin, on peut se fendre la gueule sans bière, mais bon, ouais. C'est encore plus délire quand on boit. T'sais. Pourquoi les gens ils boivent, pourquoi les gens ils fument des joints, pourquoi les gens ils prennent de l'héro, pourquoi ils prennent de la coke. Ben, c'est peut-être pour améliorer leur jour. Et pourquoi ils sont pas heureux dans leur jour sans prendre ça. Ben, c'est la société, elle est mal foutue. C'est parce cool. Que c'est tout de la merde. Et puis, les gens simplement, ils essaient d'oublier ça. Là. Plutôt que de se révolter et puis de dire écoutez, on en a marre, faites chier. Allez, dites ce que vous pensez et puis arrêtez vos conneries. Pour moi, quand je suis sous l'effet de l'alcool, c'est vrai que je suis vachement plus joyeuse et je pense moins à ce qui se passe là, ailleurs. Quoi. Là, on est dans notre squat, il n'y a personne qui nous emmerde, on est hors de la ville. Je veux dire. Ça nous vit une communauté en dehors du monde ailleurs. En fait, nous, on vit dans un petit monde. Qui est à nous, qui est différent. Et puis, il y a des gens du monde extérieur qui viennent ici, et puis nous, on va dans le monde extérieur aussi. Et puis voilà, mais simplement, nous, on vit différemment. Et puis, tout ce qu'on. Ouais, nous, on tolère les autres qui vivent différemment, mais tout ce qu'on demande, c'est qu'on nous tolère aussi. Moi, je pense que les gens, simplement, ils devraient comprendre qu'on essaie de survivre, et puis qu'on n'est pas méchant, puis qu'on va pas leur croquer leur thune, puis. Que, franchement, ils devraient être plus compréhensifs vis-à-vis de nous. Et puis, la plupart des gens, je sais pas, ouais, mais ils s'en savent moins que nous de la vie. Parce que franchement, nous, on est heureux, et puis ça fait chier que les autres, ben, ils le soient pas.
Salut Jean-Claude. Oh putain. Ah, tu veux t'acheter un bouffé? Moi j'ai faim. Il a douce les tours. Accroché sur la PlayStation, toi. Et c'était quand la révolution avec Napoléon, je sais plus qui, là. 1850. Oui. 51, peut-être. Il manque les années. Napoléon. T'es avec Napoléon III, tu dis? Quand Napoléon III, il a gagné Waterloo. Ah ouais, sous Napoléon Ier. Peut-être, ouais. Je sais pas. C'était... La Révolution française, c'était en 1789. En tout cas, c'est une date qui est facile à souvenir. Ça fait un 789. Faux de la Révolution. Ah, laisse-moi, tu veux. Je ne sens pas trop, attends. Je sais pas. Laisse-moi lire l'eau déjà, tu sais. Bah non. Mais oui, tu peux le foutre de la vie. Tu veux. Il faut faire bouillir l'eau normalement, tiens. Bah, mais attends. On s'en fout. 1 millilitre à ébullition. Il faut faire bouillir l'eau avant. Non, mais laisse-moi passer. Merci. De rien. C'est chaud. Ma chaise, en plus. C'est chaud. Ça fait 2 ans que je la gonfle pour avoir un gosse et c'est elle qui veut pas. Ah, pour moi, c'est trop tôt, quoi. C'est beaucoup trop tôt. Moi, pour moi, je me sens pas assez mature dans ma tête pour avoir un gosse. Je sais que si j'en ai un, je sais que je pourrais l'assumer, mais voilà quoi, moi je veux... Pour moi, dans ma tête, j'ai encore envie de m'amuser. Et puis, je sais pas, quand je suis en train de faire la fête en bas et que je suis obligé de monter parce que mon gosse, il chiale, ben, là, ça me, en ce moment, ça me ferait chier, ouais. J'aimerais pas... Au moment, j'ai pas trop envie, quoi. J'ai envie d'en avoir un, mais je vais attendre. Je suis pas assez mature dans ma tête. Je pense. Et puis aussi, ce qui fait chier, c'est qu'elle pense qu'un gosse, il doit vivre dans un environnement propre. Bah, mais quand même, un minimum, quoi. Alors que t'aurais été habitué à vivre dans la forêt, bah, tu vivrais toute la forêt depuis ta naissance, puis tu vivrais très bien aussi. C'est pas ça que je te dis. C'est juste que... Je te dis qu'il y a des canettes de bière par terre, partout, qu'il y a des mégots de clubs partout, un gosse, ça bouffe n'importe quoi. Bah oui, bah ça boufferait des branches de bois, ça reviendrait au même. Puis il y a tout le monde qui a vécu, tous les animaux, tu sais, comme nous, tu sais, ils vivent et ils survivent comme ça, et puis ils y arrivent très bien, mais quoi aussi, ils bouffent n'importe quoi, voilà, tu l'engueules, et puis c'est bon. Ouais, mais bon, je veux dire, il faut quand même que ce soit... Je dis pas que, bah voilà, que ce soit dans un appart besoin. Et tout, c'est mais je dis qu'il faut gosse, que ce soit un minimum. Ça apprend à se défendre, ça apprend à... Oui, d'accord. Évidemment, si mais tu le mais qu'il y ait un minimum stérile, d'hygiène quand même, dans un certain sens, parce que si c'est comme le garage, ton gosse, voilà, quoi. Bah, il y a plein de gosses au garage, désolé. Ah ouais. Moi, j'en ai connu 2 ou 3 qui habitent là-bas, puis ils survivent très bien, tu sais. C'est juste une question d'apprentissage. Ah non, passe par là. Mais ça s'apprend, t'sais. T'apprends à faire tes anticorps. Si tu bouffes pas des médicaments toute la journée, ben, t'aurais pas besoin d'en... tout le temps d'en prendre, t'sais. Ton corps, il est capable de se défendre tout seul, t'as pas besoin d'antibiotiques. C'est juste que depuis tout petit, ben, on t'a appris quand t'es malade, tu bois des antibiotiques, c'est bon. Et puis, ton corps, ben, ses anticorps, il forme plus. Je dis pas que je veux pas avoir de gosse dans un squat, je dis pas ça du tout. Je dis juste que je veux quand même qu'il y ait un minimum d'hygiène, je dis pas que ce soit... Celle-là, je veux dire, cette piole, ça va, pour un monde, ça irait très bien. Mais je veux dire, genre, fumer la gueule de mon gosse, fumer dans la piole d'un gosse, c'est peut-être pas très cool. S'il veut fumer, bah, il fumera tout seul. C'est pas à toi de lui imposer ta fumée non plus, quoi. Mmh. C'est ça que je veux dire. Pour en fumer quand t'étais petite, ça t'a pas posé de problème. Quoi? Il fumait pas dans ma piole, il fumait, mais il fumait pas dans ma piole. Ah bon, ça change rien, ça. Bah, ça change quand même. T'imposes pas, c'est comme si tu fais dormir un non-fumeur ou c'est que t'as clopé toute la journée, il supportera pas. Tu sais très bien qu'on n'est pas d'accord là-dessus, alors c'est bon. Ça sert à rien d'en discuter, toi. Ouais, bah ça prend à se bagarrer. Pas cool. Mmh.
Mes parents m'ont filé la protection quand j'étais jeune et puis que j'en avais besoin, j'avais peur de tout. Mais j'ai jamais vraiment connu la passion avec mes parents et ça c'est quelque chose qui m'a toujours manqué. Ouais, au début j'avais vraiment besoin d'appartenir à un groupe, je me sentais assez seul dans ma tête. Je me disais qu'en fait j'appartenais, ma vie appartenait à cette société sans que j'aie le contrôle dessus et je trouvais ça insupportable. J'ai pas envie qu'on me dise quoi faire ou quoi dire ou des choses comme ça. Et étant donné que vraiment j'étais très fâché contre toute cette ambiance, cette société en général, je me suis dit que plutôt que de rester là avec mon air tout victime, quoi, je préférerais plutôt devenir un punk, me colorer la tête, des habits crades, avoir des vestes à clous, etc. Et puis ça a continué comme ça pendant 2 ans. Ensuite, j'ai un peu changé de mouvement, mais pas beaucoup. En découvrant le skateboard, je me suis mis à porter des habits larges parce que c'est beaucoup plus facile. Bon, ça c'est juste extérieur, quoi. Ce que je pense intérieurement, ça n'a pas changé. Et puis ça changera pas d'ici assez longtemps, je pense. C'est de la merde, cette vidéo. C'est ça. Jimmy! Viens voir! Hey, tu veux que je te tonde? Jimmy! Ok. Peut-être qu'on va pas rentrer dormir cette nuit, Sylvain. Non. Ah, mais ça va pas. Hein. Ça va péter le couteau. Ça va pas. Moi, c'est vraiment un moi, c'est pas mal. Laisse-moi faire. Je te laisse faire. Ouais. On dit là, on va pas bouger. Je m'en fous, les gens ils peuvent venir en prêter, mais tant que c'est lavé en minimum, bah, franchement, tu regardes les casseroles. Mais sont là, c'est imbouffable quoi. Il faudrait les faire à chaque fois. Non, mais moi, dès que j'ai fini, là, je passe juste un coup avec, avec une serviette, c'est bon, quoi. Quand t'as ta casserole toute crade, t'as pas envie, quoi. Bah dès que t'as fini, tu y balances, parce que de toute façon on va pas y récupérer. Quoi. Parce que moi, faut que je nettoie la casserole, parce que voilà, quoi. J'aime pas bouffer dans les trucs crades, quoi. Il y a qui vient avec moi, là, dans la classe? Dag, ouais, c'est pas terrible. C'est fort. Bah, tiens, bien ça, là. C'est clair que les gens ils confondent provocation et non respect, c'est ça surtout. Bon, moi personnellement, c'est assez pour la provocation que je fais ça, mais aussi pour faire réagir les gens qu'on n'est pas tous pareils dans la vie. On peut pas arborer juste un style pour être bien, pour être dans la voie. Il y a plusieurs voies dans la vie et puis on peut pas toujours prendre le bon, le juste, celui que tout le monde veut, celui que tout le monde aime. On doit rester comme on est, comme on aime. Et puis voilà, si ça plaît pas aux gens, bah tant pis, il faut qu'ils acceptent. Parce que nous, on accepte le style de vie des autres, ils nous acceptent aussi. C'est le respect mutuel entre les gens, puis ils n'existent pas pour tout le monde, quoi. Mais ils ont du mal à se mettre ça dans la tête, de nous respecter. Il est squatteur, il est punk, alors ça fait tout. Il tape la manche, il a pas de sous, il fait rien de sa journée. Alors on est tout de suite casés, quoi.
Quand, quand je marche dans la rue, par moments, je suis tout seul, au milieu de plein de personnes, et comme les personnes, elles me regardent, mais... c'est vachement chiant. Tu me prennes pour une merde, quoi. Là, je vais essayer la scarification. Ce que j'ai essayé, c'est celui-là. Je vais acheter un scalpel à la pharmacie. Je voulais une scarification. Je vais acheter un scalpel à la pharmacie, je vais essayer. Dans un petit dégoût, je vais me découper de partout. Mais j'en ai, moi, c'est cool. Ben, justement, je l'ouvre. Et après, on verra. T'es le bras avec ça. Non, ça a pas tenu en fait, la soudure. Le tatouage, c'est pour s'exprimer. Les idées qu'on a envie de marquer, qui peuvent représenter des choses pour moi maintenant, qui me plaisent, c'est pas pour le montrer à tout le monde. La croix à l'envers, c'est un blasphème envers le catholicisme. C'est un foutage de gueule, là, moi, je trouve, le catholicisme. Jésus, bon, il s'est fait crucifier à l'époque romaine, mais on le voit plus, on dit Jésus vit toujours, et il vit en nous, comme ça. Mais on le voit pas arriver. Il y a plein de merde, il y a des maladies, il y a le cancer, le sida, il y a tous des meurtres, des accidents. Mais alors, si Dieu était là, il nous ferait un signe, alors, à ce moment-là. On dit que Satan, c'est la guerre, c'est le meurtre, enfin, le sang, tout, quoi, la mort, les ténèbres. Mais lui, au moins, il se présente. C'est peut-être pas bien, peut-être, j'en sais rien, moi, je suis orienté là-dedans. Mais Dieu, s'il existait vraiment, il se bougerait le cul. Il se bougerait le cul pour nous aider. Je suis dans la merde. Si Dieu existait vraiment, il me filerait de la thune, il me filerait un bon toit, il m'aiderait vraiment. Bon, on peut aussi me dire, bouge-toi le cul, t'as qu'à te démerder aussi. Je peux aussi me démerder. Mais simplement que, voilà quoi. Si Dieu existait vraiment, enfin, il existe quoi, j'y crois en Dieu, mais simplement je renie. Mais pour moi, je crois en Satan, je le vénère, j'aime bien Satan. Bon, je l'ai jamais vu, je suis pas prêt de le voir sûrement. Mais lui, il existe au moins. Il me fout peut-être dans la merde, il joue peut-être un jeu avec moi, mais moi je crois en lui. Oh,
Ouais, bon, une bière quelque part, quoi. Je pensais avoir soif, mais on va voir. Un bistrot quoi. Ouais mais vers la gare, toi, je sais pas, on se trouve un ici. On se posait un. L'amour. C'est tout ce qu'on a de bien, je sais pas, je pense que c'est tout ce qu'on a de bien en nous. C'est l'amour, c'est tout. L'amour que j'ai pour les gens. L'amour que j'ai pour mes potes, pour mon chien, pour ma copine, pour tout quoi. L'amour que t'as pour les gens, c'est vraiment une des plus grosses valeurs qu'il y a dans ce putain de monde, quoi. C'est ça, quoi. C'est l'amour que tu peux avoir pour les gens, c'est ça qui t'accroche à la vie, quoi. C'est pas autre chose, quoi. Je sais même pas de quoi rêver, quoi. Je vois vraiment le futur, voilà. Je vois quand même un écran noir, c'est tout, quoi. Je crois pas au futur, quoi. On verra bien, quoi. On verra bien comment ça se passe, on verra bien ce que je serai, quoi. Je suis vraiment pas positif là-dessus, quoi. J'ai choisi d'être dans la rue, d'être dans la merde, à taper la manche. Bah, j'assume, quoi. Et j'y serai peut-être jusqu'au bout, quoi. C'est pas grave. Si Dieu veut que je sois plombier, ben, il me fera plombier, quoi. On verra bien comment ça se passe, quoi. Pour l'instant, je vois noir. Je me suis sorti de la drogue, voilà, j'ai mon chien. J'ai tout pour être heureux et je vois noir quand même. Parce que j'y crois pas. Chaque jour, je l'aime encore plus et je sais pas comment je fais, quoi. Je sais pas comment je fais pour l'aimer déjà plus que ce que je l'aime, quoi. C'est ma moitié, quoi. Je peux pas vivre sans lui. Bonsoir, madame. Vous n'aurez pas un petit peu de monnaie à dépanner, s'il vous plaît? Bonsoir. Vous n'aurez pas une petite pièce, s'il vous plaît? Pardon? Vous n'aurez pas un petit peu de monnaie à dépanner, s'il vous plaît? Bonne soirée. Je me suis fait opérer du cœur il y a 3 semaines. Puis j'ai pas eu peur, vraiment. C'était la 4e fois que je me faisais opérer, donc... je savais que la personne qui m'opérait, c'était quelqu'un que je connais, en qui j'avais confiance. Et donc, j'ai pas vraiment eu de peur. J'ai eu mal, mais j'ai pas eu peur. Et je pense que la mort, c'est pas quelque chose qui est si atroce, et on verra bien. Le jour où on sera mort, ben on verra bien. Mais ça me fait pas peur. On verra bien. Comme demain, ça me fait pas plus peur que la mort. C'est un jour, c'est quelque chose qu'on connaît pas. Qu'on soit mort, qu'on soit vivant, ça change rien. Ça fait depuis que j'ai 12 ans que la relation s'est dégradée. Et je suis parti de chez moi, j'avais 15 ans. Ouais, là j'habitais avant dans la cave. C'est mon père qui m'a dit, ça va plus, tu dégages, moi. Oui.
C'est vrai qu'on avait malheureusement des ententes qui n'étaient pas toujours évidentes. Que pour finir, on a fini par se divorcer. Pas directement à cause de toi, mais enfin bon, je veux dire qu'il y a quand même un malaise qui s'est installé à ce niveau-là. Et puis quand maman est partie, ben c'est vrai, je t'ai demandé de partir également parce que moi j'avais besoin de me retrouver, j'avais besoin de refaire ma vie, j'avais besoin de retrouver un certain équilibre. Et puis pour retrouver un certain équilibre, j'avais besoin peut-être de me retrouver seul pendant un certain temps. Je me suis divorcé principalement parce que je ne m'entendais plus avec maman, je ne m'entendais plus avec toi, je ne m'entendais plus avec personne. Donc en définitive, si on ne s'entend plus avec personne, on a meilleur temps de divorcer, de se séparer. Et puis ça, c'est un choix qu'on a fait entre maman et moi. C'est clair, tu ne rentres pas à 100% dans ce principe, mais enfin bon, il est quand même là. Et puis, bien entendu, que c'est clair que si je t'ai demandé effectivement à un moment donné de partir, c'est principalement moi pour me retrouver et puis de prendre une certaine distance à ça. Bah oui, voilà, quoi. C'est pas spécialement de ma faute ni de l'état dans lequel j'ai mis ma chambre. Mais j'ai pas dit que c'était de ta faute, bien entendu. Il ne faut pas toujours mettre la faute sur toi. Ouais, tout à fait. Mais bon, maintenant, je pense que c'est une bonne chose qu'on habite plus ensemble et puis qu'on se voit de temps en temps et puis que. Comme ça, au moins, ça pose pas de problème. Et puis, au moins, quand on se voit, on s'engueule pas, puis on se tape pas sur la gueule. Mon père, pour moi, c'est pas quelqu'un que j'aime, quoi. Donc, j'essaie de le voir différemment. Et puis, je crois que c'est ça qui permet que j'arrive à avoir des meilleurs rapports maintenant avec lui. C'est que je le vois plus comme mon père qui m'a fait chier pendant toutes ces années. Et je pense que lui, il doit plus tellement me voir comme son fils qui l'a emmerdé pendant toutes ces années. Et puis, je pense. C'est peut-être pour ça qu'on arrive mieux à s'entendre, quoi. Ouais, mais c'est bon, j'ai encore. Merci. Voilà, bon appétit. Merci. T'en manques ? Non, mais si je prends du thé, c'est mieux. Moi, enfant, et moi, maintenant, c'est pas la même personne. J'ai totalement changé. Je veux plus rien avoir à faire avec mon enfance. C'était pas moi. C'était peut-être ce que mes parents voulaient que je sois, mais c'était pas moi, en tout cas. Je remercie mes parents de jamais m'avoir tabassé, de toujours m'avoir tout donné, mais peut-être que d'un côté, ça m'aurait peut-être plus appris de ce que c'était que la vie, mais au moins, j'ai une belle enfance et puis j'ai pas des souvenirs d'enfance qui m'ont marqué et puis qui m'ont fait du mal, quoi. Je les remercie pour ça, mais voilà, quoi, maintenant, je suis quelqu'un d'autre, quoi, c'est tout. J'ai appris à devenir quelqu'un d'autre en me prenant des baffes toute seule, quoi. J'aimerais bien me barrer de cette planète. J'aimerais bien que ça change, quoi. Ça, c'est clair, c'est un rêve. Puis aussi de vivre avec mon copain toute ma vie, ça, de toute façon. Parce que bon, je crois que le jour où c'est qu'il me largue, je pense que. C'est ou soit je me balance sous le train, ou soit j'essaie de refaire ma vie, mais je pense pas que j'arrive. C'est vrai, mettre quelqu'un d'autre dans sa pure avec lui. C'est une meuf ou un mec? Un mec. Il s'appelle Tomate. Ouais, si jamais il est dans la rue et tout, tu seras d'accord qu'il vienne habiter dans ma chambre. Il l'a trouvé comme ça quand il était. Non, il est dans sa classe. Ah ouais? Il fait ouais, il bosse et tout, c'est comme c'était une référence. Ouais. Ouais, il bosse, il est dans ma classe. Cool. Glacial. Hein? Je veux pas chaud dehors. Tiens, Nathan, il a peut-être. Tu fais pas chaud ça. Ça va? Tiens. Plus de batterie du tout, on peut s'allumer. Puis, de toute façon, j'ai bloqué le code, alors bon, voilà. Comment ça, t'as bloqué le code? Faut fait trois fois faute. Mais ta gueule. Pourquoi tu m'as bloqué? Je sais pas, c'est toi qui m'as dit de te réveiller pour ça. Ah ouais? Ouais, là. Sors. C'est quelle heure? 4h-5. Putain. Ouais, j'aurais bien dormi encore de petites heures. Adore encore de petites heures. Non, je peux pas. T'as la vie. Mm-hmm. Si tu veux, je t'accompagne. De toute façon, tu veux y aller, toi. Mm-hmm. C'est à moi.
suis malade. Regarde. À la bête, t'as dit de pousser. Merde. Pousse d'œuf. Ils sont foireux, cette porte de merde. Ça marche pas. Ah, c'est où? Regarde. Tu le vois, regarde, là, tu peux le voir plus, tu devrais la fermer plus. C'est clair, on est d'accord. Pousse la porte, là. La porte, là. C'est laquelle? Normalement, j'ai réussi à l'ouvrir à la fermer maintenant. Voilà, défoncer, puis la réparer. Voilà, c'est ça, parce que là, elle est. Non, non, il faut prendre une barre en métal et pour la prendre au plus de biche. Tu vas la racheter. T'arrives à aller pousser la porte depuis dehors? Ouais. Oh, mais tu vas pas la défoncer maintenant. Ouais, je regarde si, ça, si la barre elle va te péter ou bien si elle sera. Ça sonne pas si long, j'amène un pied et j'en ai main. T'as raison, toi. Jeff, tu défonces la porte, c'est le cadre en bois clair qui défonce ou c'est la porte? Non, ça dépend où tu tapes, quoi. Mais t'es con! Mais c'est toi qui es con, il est complètement pété le truc! Ça va quand même se renaître! Ça bouge pas, t'es complètement explosé! De toute façon, c'est explosé! Oui? Justement, alors attends, voir. Non, on va voir. Mais voilà, mais chaque fois qu'il y a quelque chose ici, bon, il y a une histoire là. Sans monsieur, vous n'avez pas une petite pièce, s'il vous plaît? Moi, je peux pas me donner un petit truc à manger. C'est cool, merci beaucoup. Excellent, merci beaucoup. C'est cool. Bonsoir monsieur, on avait pas une petite pièce. Je pense pas qu'elle m'ait changé beaucoup cette opération, simplement. Ça m'aura peut-être rappelé un petit peu ce que c'est vraiment souffrir, mais. Tout ce que ça aura pu faire, c'est m'endurcir un peu plus au fond de moi-même, c'est tout. Pour moi, l'amour, c'est pas quelque chose d'important, malgré le fait que ma copine, elle représente tout pour moi. C'est quelqu'un en qui j'ai confiance, c'est quelqu'un avec qui j'aime être, c'est quelqu'un avec qui je me dispute, c'est quelqu'un... En fait, elle représente tout, ma mère comme ma sœur, comme ma copine, comme... Elle représente tout pour moi. Mais mis à part elle, l'amour, c'est quelque chose que j'ai de la difficulté à avoir, parce que l'amour, il fait plus de mal qu'autre chose autrement. Je pense qu'en contrôlant ses sentiments, on arrive à beaucoup moins souffrir. Je sais pas, je vois pas comment on pourrait vivre sans sentiments, quoi, dans un certain sens, parce que c'est ce qui me redonne l'espoir de vivre, quoi. Je me dis, il y a quand même des choses qui sont belles dans cette vie. Puis c'est l'amour que j'ai avec lui, ouais, ça c'est une chose qui est vraiment belle, puis qui me donne envie de vivre encore, quoi.
die Leute vom Stadelhof, teilweise so, ja, ich bin mit meinen Freunden und so, das sind Leute, die haben mir wirklich auch teilweise ein Gefühl auch von Sicherheit gegeben. Und ich habe gemerkt, die passen auch auf mich auf, was ich teilweise zu Hause sehr vermisst habe. Dass Leute auf mich aufpassen und ein Gefühl, wo man hat von Sicherheit und so. Und auch in schwierigen Situationen, die einem helfen, oder? Das ist ein schönes Gefühl und das ist eben auch so schon eine Art Ersatzfamilie gewesen für mich. Ja, weil ich sonst immer schon speziell war, schon von klein auf. Und da habe ich Menschen gefunden, die gleich sind wie ich oder ähnlich, die auch gleich ja, speziell sind und nicht gerade angenommen werden von allen, oder? Und dann ist es schön, wenn die Leute zusammenkommen und miteinander reden können, dass man... Ich habe auch Leute gesehen, die gebrüllt haben und so, wegen eben Beziehungen und alles das. Und das kann man dort irgendwie wie deponieren, weil die Leute das kennen, oder? Ich meine, zum Beispiel, es gibt zum Beispiel, meiner Mutter könnte ich jetzt so Zeug nicht erzählen, weil sie weiß nicht, wie ich mich in dem Moment fühle. Sie hat noch nie solche Wut und noch nie solche Gefühle empfunden. Und dann kann sie mir auch nicht helfen. Aber Leute, die gleich denken und die Leute, die gleich die Welt sehen, die können einem dann auch helfen, weil die ähnliche Sachen schon erlebt haben. Und das ist schon schön. Ja. Nein. Ich war ein halbes Jahr im Heim. Schwer betreutes Heim, wo's, ja, sie haben mich richtig gequält, sozusagen. Und ich brauche meine Freiheit, ich brauche Freunde, ich brauche einfach jemanden, der mich festhält. Weil sonst, ja. Und eben, sie haben mich in den Jugendknast tun, dann bin ich auf Gas. Weil Jugendknast ist etwas, das ich glaube, nicht würde. Durchziehen. Ich weiß nicht, ob ich es schaffen würde. Und jetzt momentan gehe ich nicht in die Schule. Schon eben. Wie lange? Eben circa fünf Monate gehe ich jetzt nicht in die Schule. Und ich bin jetzt eigentlich etwas am Suchen, dass ich wieder in die Schule kann. Und ja, ich bin eigentlich wieder eine Zukunft am Aufbauen. Ich versuche es zumindest. Weil ich bin einfach ein Mensch, der seine Freiheit braucht. Aber eben, ich bin mir eine Zukunft am Aufbauen. Es ist für mich wichtig, dass ich etwas habe, das ich mich festhalten kann. Ich meine, das Gassenleben ist eigentlich, wie soll ich sagen, du lebst in den Tag hinein. Also du lebst, ja, ist eigentlich fast immer jeden Tag das Gleiche. Du musst schauen, dass du etwas zu essen hast, du musst schauen, dass du etwas zu trinken hast. Es ist eigentlich immer das Gleiche. Ja, seit klein auf wollte ich Filmschauspielerin werden. Ja, eben, wo eigentlich niemand, also von 100 einer dran ankommt. Aber ich will etwas aus meinem Leben machen. Ich will etwas erreichen. Weil ich glaube, ich habe das Ding dazu, um irgendwie, ja, etwas zu machen. Bah, reste habité à Zurich. Ouais, ouais. Des beaux rochetis. Des rochetis et puis des choses. Ah, de la bouffe, des rochetis avec des œufs dessus.